Les Clos Masure participent à la richesse patrimoniale et paysagère de notre territoire, le Havre-Seine Métropole. Le Clos d'Hermeville, par son organisation, son évolution et ses composantes naturelles et bâties, est représentatif de ces fermes traditionnelles du pays de Caux. La balade paysagère a permis aux participants de découvrir ce Clos Masure d'une superficie de 4 hectares, particulièrement bien préservé et qui a fait l'objet d'une valorisation ambitieuse et réussie. Cette balade s'est faite avec l'appui du CAUE de Seine-Maritime, qui conseille les collectivités territoriales et les habitants dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. La balade s'est focalisée sur le manoir, le verger, les talus plantés, la grange, la mare ou encore les anciens bâtiments agricoles dont le cellier est transformé aujourd'hui en habitation. À chaque arrêt, les caractéristiques du site ont été présentées sous le prisme de l'histoire et de l'évolution contemporaine des usages. Les participants, pour la plupart propriétaires de clos, ont pu exprimer leur vision sur les problématiques actuelles. Comment préserver ce patrimoine tout en ne figeant pas son évolution? Quels outils mettre en place dans le PLUI pour les protéger? Quelles sont les conséquences d'une protection? Autant de questionnements précieux et d'échanges riches qui ont nourri les réflexions des équipes en charge du PLUI avec les habitants du territoire.